Salut tout le monde, bienvenue sur WWE Supercard. Les cartes WrestleMania 35 sont là, on a beaucoup de choses à faire. On a par exemple cette fameuse quête à terminer. Évidemment, je l'ai bien entamée et j'ai bien calculé mon coût pour la terminer justement avec vous. Cette quête qui nous offre quand même un pack assez intéressant, une carte, semble-t-il, si j'ai bien compris, de notre niveau, mais 4 cartes pouvant aller du niveau monstrueux au niveau WrestleMania 35. Donc évidemment, on va faire ça. Il n'y avait que 3 défis pour remplir cette quête. Être invaincu dans 10 matchs Money in the Bank, facile. Ouvrir 10 packs, extrêmement facile. Et réinitialiser le tableau de draft 15 fois en piochant une carte de rareté ultime ou supérieure, facile. Bien qu'un peu plus long que les deux autres. Enfin, les deux autres, ça dépend, parce que moi, j'ai quand même des tickets de côté, donc on peut ouvrir des packs qu'on peut acheter avec des tickets, donc c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, hein, puisqu'on va pouvoir, j'imagine, également avoir des chances pour obtenir une carte WrestleMania 35, ou plusieurs, peut-être, qui sait. Mais comme vous le voyez, j'ai pas mal de crédits aussi, qui m'ont été donnés par 2K pour que je puisse ouvrir quelques packs. Donc on va faire tout ça, et justement, comme on va offrir des packs, que ce soit des packs de défis ou des packs qu'on peut acheter avec des crédits, évidemment, ça va contribuer à l'accomplissement du défi qui manque pour terminer la fameuse quête pour la carte, pour des cartes, pardon, WrestleMania 35. Peut-être, on verra bien, il suffit d'être un petit peu chanceux. Et en ce moment, sur Supercard, la chance, c'est pas tellement mon truc, mais bon, on verra bien. Alors, on commence par quoi? On commence par quoi? Juste, peut-être quelques petits trucs que je voudrais vérifier. Oui, du côté des cartes PVP, des récompenses PVP même. Maintenant, la récompense la plus importante qu'on puisse avoir en termes de cartes, c'est évidemment une carte brisée. Donc là, en l'occurrence, c'est Hanson qui est dans la boutique. Bon, on va voir les autres, un Ricochet, Néon, Raw Gothic et Aleister Black, SummerSlam 18. Est-ce qu'il y a du changement par rapport à la boutique Team Battleground? Alors, moi, les événements par équipe, ça fait un moment que j'y ai pas joué. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans la boutique? Les cartes brisées sont dans la boutique. Je crois qu'elle... Est-ce que c'est la mise à jour ou est-ce que ça a été ajouté avant? Je ne sais plus. En tout cas, on commence par quoi? J'ai envie de commencer par les tickets. Allez, on va commencer par les tickets. J'ai donc 288 tickets. Je peux ouvrir maximum 11 packs. C'est pas mal. Alors pour rappel, oui, effectivement, j'ai bien fait de les garder. Puisque je peux avoir une superstar WrestleMania 35. Au minimum, ce sont des cartes WrestleMania 34 que je vais avoir. On peut espérer quelques miracles. Évidemment, les néons seraient très appréciés, surtout des pros. Mais au-dessus, évidemment, ce serait encore mieux. Cela va sans dire. Et Mandy Rose SummerSlam 18, c'est peut-être une pro, ça. Ah, John Cena SummerSlam 18, c'est une pro. Souvenez-vous. De cet événement Over the Limit où j'avais normalement obtenu 2 John Cena et j'en ai supprimé un, j'en ai utilisé un pour entraîner notre carte par inadvertance bien sûr, et depuis je m'étais juré que je réserverais, que je garderais ma carte de John Cena, celle qui me reste, pour en faire une pro plus tard. Et bien ce sera possible grâce à cette carte là, formidable. Bon, 2 cartes SummerSlam 18. Un peu plus, ce serait pas mal quand même. Il y a une gothique, mais c'est peut-être une amélioration. Apollo Crews, Goliath. C'est une superstar. C'est une superstar féminine. Bianca Belair, et c'est même pas une pro. Dommage. Mais c'est une féminine. Donc c'est pas mal. Pack numéro 3. Fandango. WrestleMania 34, Aleister Black SummerSlam 18, bon. C'est pas fou, allez. Allez, une petite néon quand même, une petite brisée peut-être. Ah, Goliath, Teddy Linger, Buddy Murphy Gothic. Eh ben, je pourrais en faire une deuxième pro, parce que c'est mon quatrième Buddy Murphy. Mais je prends quand même, ça reste une pro. Donc évidemment, ça fait quand même plaisir. Donc au moins, on n'aura pas tout perdu. Il y a encore une gothique, mais est-ce que c'est une superstar ou une amélioration? Ce serait une superstar. Row, est-ce que c'est une pro possible?
En tout cas, Alexander Wolf, Summer Slam 18, rejoint également ma collection. Jusqu'à présent, c'est pas si mal, mais... Alexa Bliss, je l'ai déjà en pro, en version Goliath. Et Kevin Owens. Et donc, on a fini la quête WrestleMania 35. Allez, il nous reste encore 5 packs à ouvrir. Jugulak, Summer Slam 18. Mark Henry, WrestleMania 34. Eh, c'est pas terrible. Pour mon niveau, en tout cas, c'est pas terrible. Allez, Summer Slam 18. Dean Ambrose, Bobby Fish. Allez, encore 3. Allez, une petite néon. Au moins une petite néon. Summer Slam 18, Johnny Gargano. Edge, WrestleMania 34. C'est pas si mal, l'image est sympa, mais quand même, allez. Allez. Kyle O'Reilly, Seth Rollins. Allez, pour le dernier pack. Soyez un peu généreux, hein. Dieu du catch. C'est Biggie qui se moque de moi. Je le prends très mal, Biggie. Ça me blesse que tu me fasses ça. Bon, c'est pas grave. Et on finit avec une Goliath. Avec Batista. Bon, une Goliath, pour citer Batista. That's not what I want. Give me what I want. Nah. Alors, j'ai envie de finir avec avec ce pack là. On va juste... Ouais non, on va laisser ça comme ça. On va tout récupérer en même temps. Comme ça, ce sera fait. Alors, donc comme je l'ai dit, j'ai reçu 10 000 crédits de la part de 2K. Donc on peut se permettre l'ouverture d'un pack brisé masculin avec... une seule chance pour une superstar masculine WrestleMania 35. Dans le pire des cas, c'est une brisée. Donc évidemment, je me plains pas parce que les brisées, évidemment, je les prends. Évidemment, ça m'intéresse. Après, il y a d'autres packs qui sont intéressants. WrestleMania Access avec quelques jolies cartes dont les designs ont été faits par Rob Schemberger. Après, ça commence quand même au niveau SummerSlam 17. Donc c'est un peu risqué. Il y a le pack Compte à rebours WrestleMania 35 qui est à 1500 crédits qui lui commence au niveau Goliath. Donc il y a un petit peu plus de chances d'avoir une carte intéressante. On va bien voir, on va commencer par le gros pack comme ça. Ce sera fait et on verra à peu près comment on répartit les autres crédits. Que j'utilise tous les crédits quand même, parce que c'est un petit peu le but du jeu, autant jouer le jeu. Donc voici un Bray Wyatt gothique. Est-ce que je l'ai déjà eu, Bray Wyatt gothique? Je ne sais plus. Ça va faire tellement de cartes gothiques. Oh, je vais pas m'en sortir dans ma collection. Un Eric Young et plein d'autres cartes brisées. Donc il n'y aura pas de cartes WrestleMania 35, pas 34, Kev, fais attention, dans ce pack. Par contre, un soutien brisé, c'est pas mal. Une amélioration brisée, bon, c'est pas extrêmement important. Et la carte de Superstar qui est ici est... Roderick Strong, Shock the System, membre d'Undisputed Era. Ah, si ça avait été genre John Cena ou Roman Reigns, ça aurait été une pro. Mais bon, ça aurait été quand même... ça aurait été abusé. Certes, ça aurait été abusé. Alors, donc... il me reste... donc j'ai dépensé 5500 crédits là. Ok. Eh bien je peux acheter 3 comptes à rebours WrestleMania 35, tout simplement. Alors ce qui est un petit peu dommage... ce qui est un petit peu dommage, ouais, c'est que j'aurais bien aimé quand même tenter ma chance pour un pack WrestleMania Access. Ça aurait été pas mal. Est-ce que j'ai assez? Normalement oui. Oui, tout à fait, oui, j'ai assez. J'ai assez, mais ça va me faire dépenser tous mes crédits. Oh, c'est pas très grave, allez, pour une fois qu'on peut faire ça. Un Jeff Hardy. Je crois que c'est une pro, hein, je suis pas sûr. Mais je préfère me taire, j'exploserai de joie un peu plus tard peut-être. Pardon. Ah, Liv Morgan. C'est dans Slam 18, je crois que c'est une pro. Ça va être la phrase la plus répétée de cette vidéo. Et quand même, autant réserver. Allez, je réserve... 900.
Ouais, je pourrais réserver 1800 crédits pour 4 petits packs WrestleMania Access. Après tout. Soyons fous. Stone Cold Steve Austin. Bon, titanesque. Bof. Rousseff. WrestleMania 34. Rah. Allez, encore deux petits. Ce serait pas mal quand même. Adam Cole, titanesque. Ça monte pas bien haut quand même. Hein. Ok. Une gothique, c'est pas mal, j'avoue. Suffit de râler un petit peu et c'est bon, on obtient des trucs un petit peu plus intéressants. C'est une pro, il me semble. Mais je suis pas sûr. Bon, allez. Juste, quand même. Tant qu'on y est. Bon, là, pour le coup, c'est une WrestleMania 34. Attention. Non, j'ai mal cliqué. Ou attention, c'est une WrestleMania. Oh non, il y en a plus que ça, quand même. Il y a Jeff Hardy, une échelle et une amélioration. Et les crédits, c'est pour le prochain pack. Alors, maintenant. Non, pas tout de suite. Non, malheureux. Qu'as-tu fait? Que fais-tu? On va voir tout ça après. Voir toutes les pros, les pas pros, les brisés, les gothiques, néons, bref. Alors, des soutiens. Second souffle gothique, ça peut être utile, c'est pas mal. Des améliorations pour avoir ouvert des packs de cartes et les battle points pour l'invincibilité en Money in the Bank. Et maintenant, on a 5 cartes dans ce pack. Une garantie néon et 4 autres de monstrueuses, si ma mémoire est bonne, à WrestleMania 35. Attention! On voit que les trois autres, donc déjà on a une Shawn Michaels, seulement Slam 18, les trois autres ne sont pas des WrestleMania 35. La dernière en est-elle une? C'est une WrestleMania 34. Dommage. Eh ben, Buddy Murphy, hey, bah, j'ai pas de chance. Chad Gable, c'est pas une pro. Par contre, ouais, du côté des néons, j'ai pas mal de cartes qui sont toutes seules. C'est dommage. Et Naomi WrestleMania 34, c'est quand même pas si mal. Alors, ça fait beaucoup de choses. Alors, voyons voir un petit peu les cartes combinables. On va voir toutes les cartes combinables comme ça. Non, pas les Goliaths. Non, il y en a trop des Goliaths. Il y en a beaucoup trop. Alors, il y a des gothiques, effectivement. Ah oui, il faut que je fasse un bilan de... l'événement du printemps. Mais vous le voyez... J'ai eu un deuxième Samoa Joe. Donc effectivement, Jeff Hardy et Buddy Murphy sont bien des pros. John Cena aussi. Bon, les féminines Goliath, j'en ai plein. Et ah bah tiens, un petit Dean Ambrose sur l'ensemble 18 Pro, c'est pas mal. Et ouais, effectivement, Liv Morgan sera une pro. Et Naomi. Ouais, Naomi, je l'ai laissé de côté, juste pour remplir le catalogue. On va pas surcharger la collection inutilement. Dixit, le mec qui a toujours gardé ses cartes féminines pro WrestleMania 33. Et là, c'est pas moi qui me plante en le disant, c'est vraiment ça. Bon, ok. Donc des pro gothiques, c'est pas mal. Alors après, il y a des solo gothiques. Ça va être le bazar de faire le tri là-dedans. Alors... Les dernières... Niveau gothique, j'en ai plein aussi. Pourquoi? Je veux pas les Goliaths, moi. J'ai trop de Goliaths aussi. Voyez un petit peu cette collection de cartes gothiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, en comptant Jeff Hardy et Buddy Murphy. 8 nouvelles cartes gothiques. Eh ben... Oups. Eh ben, je vais être bien occupé, moi. Ah non, pardon, le Connor était pas nouveau, donc ça fait 7. Ouais, mais c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Eh. Ouais. Les cartes néons, maintenant. Donc, il y a eu des nouvelles cartes néons. Je devrais juste mettre les cartes déverrouillées, en fait. Maintenant que j'y pense, déverrouillées, c'est peut-être plus intelligent. Voilà, Chad Gable. Qui n'est pas une pro, hélas.
mais c'est ainsi, et quand même, on a Roderick Strong, c'est pas si mal, et je m'aperçois qu'il faut quand même que je verrouille mon nouveau soutien gothique. Voilà. Parce que quand même, j'ai envie de le garder. Bon, ben on n'a pas eu de chance quand même. Quand même, le pack de tickets, c'est un peu décevant, quoi. Oh non, franchement, je suis déçu. Ah, c'est dommage. Mais bon, c'est pas très grave. Ça fait partie du jeu. On ne gagne pas à tous les coups. C'est bien dommage. Mais bon, en tout cas. Bon, bah, du coup, j'ai pas de carte chemin 35 à vous montrer. C'est bien dommage. Bon, j'ai vu sur Twitter des gens qui avaient beaucoup plus de chance avec la quête, le pack de la quête. Même, je crois que j'ai vu un tweet de quelqu'un qui a eu deux cartes chemin 35. Eh oui. Bon, bah, c'est pas grave, on retentera notre chance plus tard. Bon, vous avez vu quelques exemples hein, sur les illustrations pour les packs. J'imagine aussi que si vous êtes abonné au compte Twitter de Supercard, vous avez vu pas mal de nouvelles cartes. Donc Brock Lesnar, Seth Rollins, Becky Lynch, j'en oublie d'autres évidemment. Ouais, j'en oublie au moins quelques. Ouais, il y en a eu plein en fait. Il y a même eu des cartes de superstars qui débutaient dans Supercard. Donc il y a quand même pas mal de choses à voir. Peut-être juste finir sur le catalogue éventuellement, histoire de voir qui sont les superstars qui sont dans ce niveau WrestleMania 35. Donc, ah oui, Becky Lynch avec son image spéciale de Rob Schlumberger, malheureusement pas de chance à ce niveau-là. Alors niveau nouveauté, donc on a André le Géant qui sera la première carte d'événement, effectivement. Becky Lynch, Bobby Fish, nanana, Buddy Murphy, Bobby Roode. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveauté ici. Yoshirai, voilà, qui fait ses débuts dans Supercard. Keith Lee également. Donc des superstars d'NXT. Matt Riddle. Rhea Ripley, pardon, que j'ai failli oublier. Que j'ai failli ne pas voir, plutôt. Tony Storm, bon, qui a déjà des cartes dans le jeu. Walter aussi, qui fait ses débuts, effectivement. Et donc ça fait, je crois, une soixantaine de cartes, dont quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui ont des images spéciales dans le fameux pack dont j'ai déjà oublié le nom. WrestleMania Access. C'est quoi ce pack ? Censure et larmes. On peut aussi avoir des cartes championnat 35 là-dedans. Eh, ça coûte moins cher, donc j'aurais peut-être dû tenter. Parce qu'il y avait SummerSlam 17 aussi. Ah, oh, ça aurait été plus malin. Hein. Ouais, mais bon, ça. Du coup, voici John Cena. Ça privait éventuellement de nos chances d'avoir ce genre de cartes. Des cartes spéciales. Oh, je regrette pas. Je regrette pas, c'est. Voilà, j'ai pas eu de chance, ça m'apprendra à être privilégié, à recevoir 10 000 pièces d'or, en espérant que la guilde des donjons ne vienne pas me taxer toutes ces pièces d'or, ni même la guilde des voleurs, hein, voilà. Bon, en tout cas, eh oui, 10 000 pièces d'or et j'ai même pas mis un pied dans le donjon de Nullbuck. Allez, sur ce, on se quitte, on se retrouve bientôt sur WWE Supercard. Salut tout le monde, à la prochaine.